Mesdames, Messieurs, chers collègues, bienvenue pour ce Conseil municipal extraordinaire du 7 juin 2015. Je vous rappelle que nous nous réunissons pour débattre et voter une motion déclarant Chalette-sur-Loing zone hors TAFTA. Je vais donc commencer par procéder à l'appel des conseillers municipaux. Éric Pépin. Présent. Christophe Rambaud est excusé, il a donné pouvoir à Liliane Berthelier. Lauriane Delaporte. Présent. Chantal Clément. Présente. Marie-Madeleine Hugues. Présent. Mahoudou Bassoum. Présent. Christine Lander. Présent. Liliane Berthelier. Présent. Jacques Lalo. Présent. Claire Prieux. Présent. Christian Berthier. Présent. Espérance Paturon. Présent. Atif Khalid. Présent. Iba Pruneau. Présent. Boubacar Ba. Est excusé, il a donné pouvoir à Atif Khalid. Kassim Balaban. Présent. Maher Benazouz. Présent. Cyril Bonin. Présent. Pauline Galina. Présent. Eulali Lama. Présent. Asma Manayamadi. Présent. Michel Pompon. Présent. Mario Tavares. Présent. Yolande Valls. Présent. Michel Perrier. Présent. Radoslav Pacan. Ali Tsumar est absent, Annette Morand absente, Jean-Pierre Caché absent, Pierrette Pelzek absente, Dominique Dayer est absent. Le quorum étant réuni, nous pouvons valablement délibérer. Mesdames, Messieurs, chers collègues, tenir un conseil municipal lors de la fête de Chalette ici au lac est un événement, mais je crois que le premier événement de cette séance, c'est la présence nombreuse du public qui va pouvoir participer, assister à ce conseil municipal. Je dirais que ça nous change un peu de nos habituels conseils municipaux à l'hôtel de ville. Et puis surtout, le deuxième événement, en dehors du sujet lui-même, mais on va avoir l'occasion d'en débattre pendant une heure, c'est aussi la possibilité au public dans la salle d'intervenir. D'un point de vue légal, je procéderai à des suspensions de séance, deux, pendant le débat, afin de permettre au public d'intervenir. Je vous rappelle qu'en dehors de ces suspensions de séance, le public ne peut pas intervenir. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers collègues, un grave danger pèse sur notre pays et plus généralement sur les peuples d'Europe. Ce danger, c'est le grand marché transatlantique, appelé entre autres traité TAFTA, dont l'objectif est d'instaurer un vaste marché de libre-échange entre l'Union européenne et les États-Unis, allant bien au-delà des accords de l'Organisation mondiale du commerce, et pour lequel le 14 juin 2013, la Commission européenne obtenait mandat de tous les États membres pour le négocier. Il est donc actuellement en cours de négociation à Bruxelles et aux États-Unis, dans le plus grand secret, par 70 personnes environ, dont la majorité est constituée de hauts fonctionnaires et technocrates. Heureusement, des fuites nous permettent d'avoir déjà un certain nombre d'informations nous conduisant
à une large réflexion. Chers amis, si ce projet de traité aboutissait, c'est toute la vie économique, sociale et démocratique qui serait bouleversée et la vie de nos concitoyens qui en pâtirait. Car ce traité, c'est l'accélération du démantèlement de notre appareil industriel, du code de travail protecteur des salariés, du code de la sécurité sociale, sanitaire et environnementale. C'est la poursuite du démantèlement des services publics nationaux de la santé, de l'éducation, du transport, de l'énergie, mais aussi des services publics locaux, notamment des services municipaux. Ce traité est donc dangereux, particulièrement pour les industriels français, mais aussi pour les salariés et les consommateurs. Au seul profit des grands groupes industriels et financiers américains qui, depuis les paradis fiscaux où ils dissimulent leurs bénéfices, décident de l'avenir des nations et de leurs habitants. Outre une libéralisation considérable, ces accords prévoient deux mécanismes qui portent gravement atteinte aux principes démocratiques en réduisant le champ d'intervention et d'action des élus. Il s'agit du mécanisme de règlement des différends investisseurs-État, et on reviendra longuement sur cet aspect, et du mécanisme de coopération réglementaire. Le premier mécanisme, en quelques mots, donne la possibilité aux intérêts privés d'attaquer devant un tribunal privé des décisions locales ou nationales qui contrarieraient leurs projets. Ces tribunaux se substituant aux tribunaux administratifs en particulier. La notion d'intérêt général, la notion du principe de précaution ne voudrait plus dire grand-chose au nom de la libre concurrence. Le deuxième mécanisme, avec l'accent mis dans le projet de traité sur la suppression des barrières non réglementaires, permettrait aux produits nord-américains d'envahir nos marchés en tirant vers le bas en matière de normes techniques en particulier. Depuis déjà plus d'un an, la résistance s'organise. Des collectivités territoriales de toute taille, régions, départements, communes, urbaines et rurales, dont la région Centre-Val-de-Loire, de gauche comme de droite, font partie d'un collectif dit hors-TAFTA. Des politiques réagissent, tel l'ancien président de la région Limousin, Jean-Paul Denano, député européen. Je le cite. Les politiques pourront-ils encore demain faire des choix, qu'ils soient de gauche ou de droite, sans accentuer les risques judiciaires pesant déjà sur eux? L'Union européenne est en train de balayer d'une main le cadre permettant aux collectivités territoriales de protéger leur territoire, leurs entreprises locales, leurs citoyens. Le Sénat a voté à l'unanimité en février 2015 une résolution mettant en garde contre ce projet de traité, allant même jusqu'à en appeler à la Constitution française qui consacre les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Ce texte, proposé par les élus du groupe communiste et républicain, a été amendé et adopté à l'unanimité du Sénat et unanimement salué par les sénateurs de tous bords politiques pour sa position équilibrée. Élu du suffrage universel, il était donc de ma responsabilité en tant que maire de convoquer ce conseil municipal afin d'informer les Chalétois, les habitants du Gâtinais, de cette grave menace. D'où la réunion ce matin de ce conseil municipal extraordinaire pour voter une motion déclarant Chalette zone hors TAFTA. Je terminerai mon propos en citant Nicolas Hulot, très inquiet par ce projet et qui s'est exprimé ainsi la semaine dernière dans le journal L'Humanité. Je le cite. De gré ou de force, si nous ne passons pas d'un monde de compétition à un monde de coopération, nous irons tous dans le mur. Cela n'est pas une question morale, c'est physique. Le TAFTA
continue d'alimenter la notion de libre-échange alors qu'il faut passer à celle de juste échange. Opter pour des critères sociaux et environnementaux. Je le cite toujours, « Si les 195 chefs d'État et le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sont convaincus que l'humanité est en péril, alors ils ne peuvent s'accommoder de ce type de traité qui amplifie les causes du problème. » Voilà, chers amis, les quelques propos que je voulais prononcer en introduction à ce débat. Je vous propose de donner maintenant la parole à Lauriane Delaporte, qui va vous présenter, enfin vous lire, la motion qui sera votée à la fin de ce débat. Merci. Merci, monsieur le maire. Donc, cette motion, je vais vous en faire lecture. Le 14 juin 2013, les 27 gouvernements de l'Union européenne, dont la France, ont approuvé un mandat donné à la Commission européenne pour négocier un accord de libre-échange avec les États-Unis, le TAFTA. Par ailleurs, un traité entre l'Union européenne et le Canada, le CETA, a été finalisé à l'automne dernier. Ces accords visent à faciliter les échanges entre les deux ensembles et prétendent, pour y parvenir, harmoniser les législations en vigueur des deux côtés de l'Atlantique, démanteler les droits de douane restants, notamment dans le secteur agricole, donner les droits spécifiques aux investisseurs, y compris aux spéculateurs, et supprimer les barrières non tarifaires au commerce, c'est-à-dire nos normes, règlements, lois. Outre une libéralisation considérable, ces accords prévoient deux mécanismes qui portent gravement atteinte aux principes démocratiques en diminuant considérablement le champ d'action des élus et en contraignant les choix publics. Il s'agit du mécanisme de règlement des différends investisseurs-État et du mécanisme de coopération réglementaire. Les collectivités locales ont une place fondamentale dans la cohésion des territoires, la lutte contre les inégalités et le développement économique. En cas de mise en application du traité transatlantique TAFTA, elles seront en première ligne. Le Conseil municipal, considérant que, d'une part, les négociations ont lieu dans l'opacité la plus complète, qu'un contrôle démocratique suffisant des négociations tant à l'échelon européen que national et local ne peut donc être assuré, le manque de transparence rendant celui-ci impossible, que les citoyens et élus ne peuvent s'assurer que l'intérêt général soit protégé, mais que les lobbies d'affaires ont, eux, un accès privilégié aux négociations. D'autre part, les droits exclusifs accordés aux investisseurs affaiblissent la démocratie, que la proposition d'inclure un chapitre sur l'investissement contenant des règles de protection des investissements assorties d'un mécanisme de règlement par l'arbitrage des différends entre investisseurs et États donnerait aux investisseurs des droits exclusifs pour attaquer les États, alors que des décisions démocratiques prises par des institutions publiques, y compris les collectivités locales, seraient considérées comme ayant un impact négatif sur leurs profits anticipés. D'autre part, la création de structures et de procédures de gouvernance ayant pour l'objectif d'harmoniser les réglementations entre les deux rives de l'Atlantique, comme le Conseil de coopération réglementaire, ferait des traités transatlantiques des accords vivants, constamment développés de manière opaque par des instances non élues et des représentants des intérêts économiques privés. Ces structures non démocratiques menacent des normes importantes protégeant l'intérêt général ou rendent les améliorations futures impossibles. L'accent mis sur la suppression des barrières non tarifaires et sur la convergence des régulations est utilisé pour promouvoir une course vers le bas en matière de normes, de règlements et de lois, dans le domaine environnemental, social et sanitaire. Les études d'impact économique promues par la Commission européenne promettent au mieux un gain net très faible en termes d'emploi et d'investissement, mais que d'autres études prévoient des pertes très importantes pour les territoires, jusqu'à moins 130 000 emplois nets en France, des pertes nettes en termes d'exploitation, de PIB et de salaire, ainsi qu'une baisse des recettes fiscales de l'État engendrant une pression supplémentaire sur les financements des collectivités. Les services publics et nationaux ne sont en aucun cas exclus du mandat de négociation et que l'état actuel des pourparlers ne permet pas de vérifier qu'ils seront protégés. Les accords contiendraient des dispositifs rendant extrêmement coûteux le retour à une gestion publique d'un service d'intérêt général
précédemment privatisés, ainsi que la création de nouveaux services publics. L'impact sur l'agriculture de la suppression des droits de douane agricoles conduira à une baisse du niveau de vie des paysans et agriculteurs, à une disparition toujours plus rapide des petites et moyennes exploitations et à une désertification accrue des zones rurales. L'impact des petites et moyennes entreprises risque d'être fortement négatif, que les dispositions de l'accord ne permettront plus aux collectivités locales de soutenir les acteurs économiques locaux via des soutiens directs, subventions, ou l'inclusion de critères sociaux et de qualité environnementale dans leurs achats et demandes de prestations. Entendu ces explications et après délibéré, le Conseil municipal se propose donc aujourd'hui de refuser toute tentative d'affaiblir le cadre réglementaire national ou européen en matière d'environnement, de santé, de protection des salariés et des consommateurs. La logique de mise en concurrence des territoires et des citoyens et des PME sans aucune protection et sauvegarde adéquate refuse également l'érosion de ses capacités d'organisation et de régulation du développement économique local dans l'intérêt général. Le Conseil municipal demande donc l'arrêt des négociations du traité transatlantique et la diffusion immédiate de tous les éléments de la négociation en cours. Il demande le rejet de l'accord UE-Canada, donc le CETA, et il demande l'ouverture d'un débat national impliquant la pleine participation des collectivités locales et des citoyens sur les risques portés par la politique commerciale de l'Union européenne et de la France. Et enfin, le Conseil municipal se déclare symboliquement la commune de Chalette-sur-Loing, zone hors TAFTA et hors CETA.